Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour réaliser une petite coupe glacée, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous mets la liste du matériel en barre d'infos et on commence tout de suite avec du vanille que l'on va mélanger avec des petites paillettes noires pour donner un effet un peu plus réaliste. Vous venez texturer avec ce que vous avez un peu sous la main. Vous pouvez prendre un cure-dent, une aiguille, du papier aluminium ou même une brosse à dents, pourquoi pas. Voilà, vous essayez vraiment de donner cet effet un petit peu glacé. Vous voyez bien comment est fait la glace. Vous essayez vraiment de gratter pour essayer de donner le meilleur effet possible. Nous allons maintenant réaliser une petite flûte avec de la pâte champagne, donc c'est pas très compliqué, hein. Vous faites un petit colombin et vous venez après avec votre lame essayer de donner des sortes de traits réguliers pour avoir cet effet un petit peu de tornade. Donc c'est très simple, je vous laisse regarder l'image pour comprendre un petit peu. Pour un peu plus de réalisme, nous allons venir appliquer de la pastel sec ocre. Donc n'hésitez pas à en mettre pas mal, hein, que ce soit quand même bien coloré, bien croustillant, c'est quand même plus joli. Vous venez prendre votre petite coupe glacée et vous allez venir mettre de la chantilly. Donc moi j'ai pris de la déco 3D blanche, après vous prenez la chantilly que vous souhaitez, c'est vraiment comme vous voulez. Vous en mettez dans le fond de votre petite coupe et après vous venez prendre des coulis, donc pareil, de la couleur de votre choix. Moi j'ai pris du Whippam couleur caramel, mais si vous voulez prendre du chocolat ou du fraise, vous faites comme vous le souhaitez. Donc pour donner un effet un petit peu plus réaliste, vous venez mettre de la chantilly un petit peu dans les coins, entre les petites boules, un petit peu partout pour que ce soit beaucoup plus gourmand et pour cacher aussi un petit peu les petits défauts, si les boules sont trop grosses ou quoi, vous essayez de vraiment d'en mettre un petit peu partout, ça fera beaucoup plus joli. Donc vous venez appliquer sur vos petites boules du couleur chocolat, donc après c'est comme vous voulez aussi, hein, pour donner un petit effet un peu plus gourmand, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Donc moi j'ai décidé de mettre des microbilles, donc j'ai pris la couleur caramel pour faire un rappel avec le coulis qui est dans la coupe. Donc ça fait plutôt sympa, j'aime bien l'effet, donc je vous invite à en mettre un petit peu, ça donne un petit peu de peps à la création. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.